Apparemment, il n'y a effectivement que les druides qui avaient le droit de venir ici. Quand on voit la forêt, on comprend pourquoi. Il y a un dénivelé de malade. Ça a peut-être l'air d'être plat pour vous, mais là, c'est droit. Oh là là, si on m'avait dit que grimper une forêt serait aussi crevant. Ça finit... Oh ! Il y a un truc en haut. Première découverte dans la forêt. Un énorme château en ruine. Mais bien en ruine. Betreten auf eigene Gefahr. Ça veut dire entrer à votre propre risque. Du coup, ça veut dire que c'est pas interdit. Et ça, ça veut peut-être dire le contraire. Un beau temps, c'est incroyable. On dirait l'ex-grande salle du château. Alors, pour la petite histoire, je sais pas si la forêt est vraiment enchantée, mais en tout cas, elle est magique. On a quand même un arbre qui a poussé au troisième étage des ruines du château. C'est vraiment énorme. Oh, j'adore. I am having a great day. Mal en fait, ouais. Pendant la descente. Du coup, j'essaie de voir si je ne peux pas gripper quelque part. J'ai rien là ? C'est rouge, mais sans plus. Dans la forêt des druides, il y a pas mal d'écriteaux pour expliquer un petit peu les légendes de la contrée et les rituels. Et là, je suis tombé sur le premier que Ludy va pouvoir nous exécuter. Aligne-toi sur la place du pouvoir, toute droite, avec le dos droit aussi, les bras le long du corps. Connecte-toi d'abord avec la terre, puis avec le cosmos. Sens la lumière du soleil qui se dépose sur ton corps. Dès que tu penses que la lumière s'est dispersée sur tout ton corps, comme une aura, tu te rends compte que cette pratique rend plus courageuse contre les vagues émotionnelles. Et tu deviens à la fois plus sensible et plus émotionnel. Bon, évidemment, les panneaux sont en allemand. Et il me faut une demi-heure pour les déchiffrer. On est arrivé dans ce qui s'appelle le domaine des fées et des nymphes. Et l'histoire raconte que à l'intérieur de ce cercle de pierre, il y a trois pierres spécifiques sur lesquelles on peut s'asseoir. Et en fermant les yeux, en libérant son esprit et en pensant très fort à ce qu'on souhaite, on peut se faire aider par le petit peuple des fées ou des nymphes. Et les trois pierres en question ont toutes les trois un pouvoir spécial. En principe, si on suit bien les instructions, on peut arriver sur nos rochers à souhait. Et moi, je vais aller parler aux fées.
Bon, après 4 heures de marche, on est enfin arrivé devant notre pierre en emblème de phallus, ils appellent ça. Tadam ! C'est le point le plus renommé de la forêt elfique. Ça fait 12 mètres de haut, c'est à 40 mètres au-dessus du niveau de la rivière. Et à l'origine, il y a plus de 1000 ans, il faut savoir que les femmes étaient initiées à des rites de fertilité par les Celtes. Donc voilà, notre première forêt elfique, tic, hein, ça c'est fait, dans la bucket list, on va pouvoir enlever quelque chose. Donc c'est vachement kiffant. Et voilà. Donc évidemment, si vous aimez bien tout ça, et bah, vous appuyez sur le petit bouton, vous dites je veux en voir plus, et puis on va essayer de faire d'autres vidéos. Allez, à plus. Tan 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 t